une manière de détruire une présence satanique dans vos vies. C'est ce qu'il a l'habitude de dire aux gens, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qui a été fait sur toi pour effrayer le diable? Quand on s'est converti, on nous impose le baptême. Mais en réalité, le baptême ne sait pas. C'est une action prophétique. Nous allons prier en fait que ce qui a été comme sémence du diable dans ta vie soit détruit. Ça constitue comme une maladie dans ta vie. Vous savez, quand vous lisez un peu Jacques, le chapitre 5, à partir du verset 14, la Bible dit si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens. Alors Jacques, le chapitre 5, à partir du verset 14. Jacques, mais... La chose est spirituelle. Vous, comme là, vous êtes. Voilà, il dit, allons-y, je vous explique un peu. On connaît ça, Dieu, là, oui. Jacques 5, 14. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Quelqu'un est malade. Qu'il appelle les anciens de l'église. Il appelle les anciens de l'église. Et que les anciens prient pour lui. Qu'on prie pour vous. En loignant d'huile au nom du Seigneur. En versant sur vous. Au nom du Seigneur. Au 15. Le 15. La prière de la foi sauvera le malade. Et le Seigneur le relèvera. Le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Tu avais fait des péchés, tu as fait que les choses sont mieux. Le fait qu'on a mis de lui, appliquer lui sur toi, ça neutralise ce péché. Et si c'est, parce que l'échec est une maladie. L'échec est une maladie, les blocages sont une maladie. Le célibat est une maladie. Tout ce qui est blocage, tout ce qui fait bloquer, est une maladie. Alors la Bible dit que ce n'est plus une imposition de main. Il faut appliquer l'huile. Et l'huile, c'est le symbole du Saint-Esprit. Et quand on détruit sur toi, ça vient, ça détruit tout ce que tu avais fait. Et comme l'homme est constitué de l'esprit, là, il y a trois étapes. C'est ça qui est intéressant. Il y a la première étape. Ça concerne l'âme, l'esprit. L'âme après. Et puis le corps. Parce que c'est toi là. Ils font l'être humain. Mais nos corps. Il faut que ton esprit soit délivré. Et là, où Dieu dit, ton âme, c'est ce qu'on appelle les liens. Ton corps soit délivré de certaines choses. Et quand c'est fait, si tu marches dans la parole de Dieu, tout ce que tu as commencé à toucher prospère. Tout ce que tu as commencé à toucher prospère. On n'a pas forcément besoin de gens. C'est vrai que tu pries, mais rien ne va dans ta vie. C'est vrai que tu pries, mais rien ne va. Il faut passer par ça. Mais après, il y a les actions. C'est ça que je vous enseigne. Il dit que Jésus a dit, telle sorte de démons ne sont que par la prière. Matthieu 17, 21. Vous voyez? Donc il y a des actions qu'on mène, ça ouvre des portes, ça déclenche beaucoup de choses dans nos vies. Amen. Et l'huile est vraiment important. Cette action-là. Parce que l'huile est le symbole de l'esprit. Ça symbolise l'esprit. Vous allez voir que ça va changer les données. Les choses vont changer. Hier, il était au sang, il y a une jeune fille qui me rendait un témoignage. Elle a envoyé sa grand-mère. On a versé le ciel. C'est une fille burkinabé. Elle avait un projet de. D'Orange Money. Okay, tout était bloqué. Et du coup, elle a eu l'argent. La caution a donné. Quand elle a eu les deux puces d'ailleurs, sa grand-mère est tombée. Oh, Bobby. Elle dit ton mari là me fatigue. Quel mari? Jésus. On l'a envoyé là actuellement. Là. Aujourd'hui, il doit faire ses aveux. Elle est là. Okay. Dans ça là. C'est terrible. La Bible dit que là est la prière de la foi. Il faut avoir la foi. C'est ça que l'ange ajoute. Allons le verset 15. La prière de la foi. La foi, il faut avoir la foi. Et la capote de sauvera le malade. Amen. La prière de la foi sauvera le malade. Notre part, c'est de prier pour toi. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Oui. Il appelle les anciens de les anciens, c'est-à-dire les pasteurs, les hommes de Dieu, les prophètes. Voilà, quoi, prophète, les anciens prient pour lui. J'ai pris pour lui. En loignant d'huile. En loignant d'huile. On a mis d'huile. La prière de la foi. Maintenant, tu dois avoir foi en ça. Et la thème est de l'énoré. Que le Seigneur le relève. C'est là qu'on relève. Mais il faut avoir foi. Quand on te dit pendant que ça baisse sur toi, les choses dont ton est sorti. Oui, mais fais tomber. C'est pas parce qu'on le prophète, le prophète. Et pourquoi on n'a pas dit quelque chose? Il y en a un peu. Il dit dans le week-end. Tu vas délivrer. Quand tu veux que quelque chose soit dit sur toi. Et moi, oui, quoi, c'est ça votre problème. Mais là, oui. Vous voulez qu'on parle à tout moment. Ah, ouais, pas partout, il faut forcément parler. Ouais, oui, les gens veulent forcément qu'on dise quelque chose. Tu t'emmènes là, tu n'as pas foi. Ah, peut-être une raison.
Il a baissé lui-même. On dit non, au bout de ça, on a dit au fond. On est qu'à on dit lui, là, ça dit. Ouais, Dieu, et Dieu dit. C'est révélation, tu veux louer, tu es délivré. Et maintenant, t'as quoi pour dire, mais même quoi quoi. Où est-ce que tu as fait les sorciers, mais vous mangez. Un vrai coup, on l'a. Un sens pour là. Voilà, tu as dormi. Amen. Amen. On dit qu'on applique lui. Toi, tu dois avoir la foi pour que tu sois guéri. Voilà. Il y a peut-être des gens qui ont corrompu. Mais dis, mais. Non. Dès que ça touche, il était, mais. Il y a un miracle qui s'opère. Dès que ça touche, il dit, appliquez-le. Et quand nous le connaissons, et qui prie pour lui, en loignant Dieu. Voilà. Pas les positions des mains. Les loups. Ou bien, nous, personne ne nous tue. Il n'y a qu'à mon conseil. Il y a malade qui doit avoir foi. Nous, notre part, c'est d'appliquer lui sur toi. Et toi, le malade, tu dois avoir foi en ça. Il a monté en ça. En versant lui, Dieu te guérit, te délivre. Amen. Ça, c'est vrai. Amen. Et ça n'a jamais menti ça. Venez. J'ai connu quelqu'un qui était en Europe. Oui, mais comment quoi, tu vois? Le jour qu'il a travaillé, sa mère, quand lui voit sa tante, il couche avec elle. On a pas de travail, c'est gâte. On le mettait où? Je lui ai demandé, tu connais quelqu'un? Il a travaillé de l'huile. On a trouvé qui? On ne connaît pas. On a cheminé de lui. Cette bouteille. Quand on a fini, la semaine qui a suivi, ça a tombé. Elle a parlé. On a oublié. On a parlé fou. Il a dû le délivrer. Il a dit. Amen. Ça là, c'est trop puissant. Mais tu l'as gagné quand elle est fou en ça. Attends, dit. À quel point elle non, le prophète m'a dit quelque chose. On va la garder. Même ma tête. Il n'est pas malade alors. Il y a. Ce n'est pas forcément maladie physique. Et là, pour un goût, que tu sois bloqué. Mais oui, mais je vais dans une maladie. Tu souffres dans ton cœur. Et c'est un problème. Si tu te dis, non, cette place, ce n'est pas ta place. Mais un peu, quand il y a un ennemi. Pas ce stade. Mais là, il y a tu es malade. Et pas, il y a. Tu es malade. Il y a. Il faut qu'on applique de l'huile. Et là, on nous dit, le symbole de l'esprit. Et pas où, quand il y a un ennemi. Il le jour. Les salines, la servitude. C'est ça, non. J'ai vu vos délivrances. Il y a déjà. Je l'ai vu. Et il y a. Je bénis le Seigneur. N'est pas la connu. Mais tu es le puissant. Non, la voya. Tu es le puissant. Au catholique, et ça dit noyé. Amen. Dieu, il existe. La voya. C'est une réalité. Il est noir. Frère, il faut avoir foi. Non, il y a peut-être. Moi, j'ai vu plusieurs fois Jésus. Amen, écoute, quand j'ai dit. Je vois plusieurs fois des anges. Et il y a un guide, écoute, comment. Il y a un guémoé. Je suis en train de parler avec lui. Et là, quoi? Quand je me lève, il est 6 heures. Fais gagner les 17 heures. C'est comme si on a fait 10 minutes. Et bien, quand je ne sens même pas le temps passer. Il y a donné le bleu. Il est étonné qu'il est 17 heures. C'est une réalité. Il est noir. Le monde spirituel. Où va venir Dieu existe. La Goko. C'est quelqu'un, il existe. Amen. 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 C'est ce que la Bible dit que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe. Mais voilà, il y a un bien la Goko. Oh, il t'a mis dans la Goko. Hébreu. Le chapitre 11, le verset 6. Et bien, comment 11, le verset 6. Dieu existe, frère. Dieu existe, c'est ça que je n'ai pas peur. Tu n'es pas peur, moi. J'ai foi. Quel que soit le problème, quel que soit la situation, j'ai foi en lui. Il existe, Dieu est rien. Allons-y, Hébreu 6. Hébreu, comment regardons l'opprobre de Christ. Non. Hébreu 11, 6. Oh, sans la foi. Je connais Bible. Ma tête là, c'est verset biblique. Moi, tu vas me tromper, Bible. Il y a 1000 versets dans ma tête. Ah ben, tu as dit, je vais moi. Oui, il y avait quoi? Je fais 3 ans, je suis assis en train d'apprendre la parole de Dieu. Non, qui est-ce que tu dis encore? On doctorat bientôt. C'est là que tu as venu me dire, non, c'est là ça. Je connais ça, il t'a dit, réveille-moi, il te donne. Or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu, il faut que celui qui s'approche de Dieu, croit que Dieu existe. Quoi qu'il existe. Amen. Que tu le recherches. Frère, si tu crois que Dieu existe, tu as gagné la bataille. Si tu crois qu'il existe, ton problème est réglé. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est l'auteur du miracle. Quand on parle de miracle, l'auteur c'est Dieu. Si tu sais qu'il existe, crois qu'il t'a guéri. Crois qu'il règle ton problème maintenant. C'est ça ton problème. Crois en lui. Crois. Exactement, frère.
Pendant que lui il est en vain, c'est sur toi. Toi qui ton problème, toi ne pas. Amen. C'est la deuxième étape. Oudo, c'est la deuxième. Donc il va rester la troisième étape. C'est-à-dire que vous avez la première étape. Ouvrez les bouteilles. Ceux qui ont fait premier, venez ici. Ceux qui viennent de commencer, venez ici. Ceux qui viennent commencer là, premier, venez. Parce que j'ai fait. La troisième là, vous allez vider une moitié. Vous allez partir une moitié à la main. Vous allez utiliser la main. Alors, ça va beaucoup vous aider. Métier. Vous avez compris? Ah bien, au clé quoi. Là, une fois, il faut à tes pieds. Demain, matin. C'est quand c'est pour ça. On fait encore. Maintenant, il voit la troisième étape. Même pour ça, il faut dire que désormais, tu es consacré. Oui, quand même, tu bloques. Ceci doit plus te manger. Pour consacrer. Vous allez comme tu as un écrit pour aller à tes mains. Regardez, on dit qu'on te baptise au nom du Père, du Fils. On le voit pas, on voit Zonyou. L'homme est composé. Commencez à verser sur vos têtes. Amen. Quelque chose qui délivre, vous avez peur de ça. Moitié. Merci parce qu'en ton nom je neutralise le pouvoir de la maladie et des ténèbres dans ce temps. Au nom de Jésus. Elle est là depuis quand toi? Je sens même plus son âme. Les autres venez. Le deuxième là. Tout le contenu. Mets la version sur le visage. Voilà, on a dit, on a dit, toi le visage avec. Le visage même. Fais tout le visage. Vous qui venez de faire une dernière étape là. Avant de venir, ça c'est demain vous avez fait une dernière étape. Mais demain je vous reçois d'abord avant de venir. Je dois causer avec vous. Amen.
Voilà, demain matin, on a... Pardon. Amen. Voilà, on vient de finir. À la bien. La dernière étape, c'est demain.